Bonjour et bienvenue dans Secret Story Playmobil Kids, saison 1, quotidienne 2. Alors ben voilà. Ouais, blablabla et tout, blablabla, ouais, blablabla. Ce matin, Nathan ne sait pas pourquoi, mais il ne se sent pas bien depuis que son indice a été révélé lors du Prime. Un indice. Ça va, Nicolas ? Je préfère qu'on m'appelle Nicolas. Ça va, Nicolas ? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ok, moi, ça peut être la forme. Enfin, pas tant que ça. C'est la voix. Nicolas, au confessionnal. Ok. Aïe, bonsoir. Nicolas, quel est ton secret ? Mon secret est que j'ai été en otage par mon tonton. En fait, mon tonton était venu me garder, il m'a pris en otage, il m'a attaché par une chaise. Ok. Ici la voix, Julien au confessionnal. Ici la voix, Julien. Oui, la voix. Quel est ton secret ? Mon secret, aïe, c'est que... je suis champion de l'Eurasie d'échecs, c'est-à-dire qu'en fait, eh ben, je suis champion d'échecs en fait dans l'Europe et dans l'Asie, mais des enfants. Ok. Je peux voter, je peux buzzer. Oui. Ici la voix. Ici la voix. Julien, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Nathan, c'est le maître des nominations parce que. Bah déjà en fait, et ben quand on a fait la mise au point, déjà son secret, ben lors du prime, c'était son indice, et ben c'était la voix, donc je pense qu'il a un rapport avec vous. Et en plus, ben on a fait une mise au point avec tous les garçons, et ben il y a que lui qui a voté pour Laura et Luna, je sais plus comment elle s'appelle, enfin Luna, tout le monde a voté contre elle, sauf un, qui a voté Lucie, et sinon, personne a voté Lola, sauf Laura, sauf elle. Sauf lui et sauf Nathan et un autre, c'est-à-dire Nicolas. Donc voilà, donc je pense que c'est ça. Ok. Nathan au confessionnal. Tu penses te défendre lors de la confrontation? Oui. Je pense qu'en fait t'es le maître d'émission parce qu'on a fait la mise au point et voilà. Il y a que toi qui a voté Luna et Laura, enfin sauf pour Luna mais enfin et une autre personne. Ben écoute, on est dans Secret Story. Secret Story, c'est une émission. Si tu veux, enfin, ben, faut se méfier des apparences, donc les autres ils doivent forcément me mentir. Je valide parce qu'en plus, eh ben, ils souriaient et c'est pas ce qu'il faut faire, faut pas sourire. Bien, alors Julien vient donc, a donc gagné la cagnotte de Nathan. Nathan a donc 0 euros et Julien a donc 10 000 euros. Oui, parce que les cagnottes des enfants, je vous le dis, ce sont 5000 euros. Bon, maintenant, encore un buzz, mais voilà. Encore un buzz. Tout, je pense, moi c'est Jonathan, je pense que Julien, il est schizophrène parce que, ben, on le voit discret et après on le voit buzzer. Ok. Oui, la voix, je pense, me défend. Je pense que t'es schizophrène parce qu'on te voit discret et après, ben, comme par hasard, et ben, tu buzzes comme ça, comme si t'étais stratège. Ben, faut se méfier des apparences et puis voilà, c'est tout. Je valide parce qu'il a souri. J'ai fait exprès d'essayer de faire de l'hypocrisie, de sourire et en même temps d'essayer mon sourire, de cacher mon sourire pour qu'il valide. Il a validé et comme ça, et ben, moi, ça me fait gagner. Il perd 2500. Bien, Julien est très stratège car il a 12 500 euros, la cagnotte la plus élevée. Et donc Jonathan, il a 2500. Maintenant, un autre buzz à croire qu'ils se donnent leur secret, donc voilà. Ici la voix, Natacha, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Nicolas a été en otage par quelqu'un de sa famille, certainement, parce que vu à son caractère. Ouais, je pense me défendre. Je pense que t'as été pris en otage par quelqu'un de ta famille. Bah, est-ce que j'ai une tête à ça? Non. Je valide. Bien, alors, Natacha a donc 10 000 euros. Alors, je vais vous faire le récapitulatif des cagnottes. Alors, Julien, 12 500. Natacha, 10 000. Nina, 10 000. Euh,
Caroline dit 5 000, Vonto 5 000, Zip et Maëlys 10 000, 5 000 pardon. Jonathan, non, après il y a c'est qui? Après comment elle s'appelle? Lucie et l'autre qui est complètement débile là, Lucie et Anthony, ils ont 5 000. Jonathan 2 500. Laura 0. Nathan 0. Et voilà. Donc voilà. Et maintenant, vous allez voir un comportement inacceptable. Et après, vous verrez les nominations. Ça va la surveillante. Anthony, faut pas parler aux surveillantes. Mais je m'en fiche. T'as de boss. Ah, mais non, mais. Bon, voilà. Donc, Anthony vient donc de quitter l'aventure. Car déjà, il a parlé à l'air surveillant. Donc, ça, c'est pas grave. Mais il lui a touché les seins. Donc, c'est pour ça. C'est un comportement inacceptable pour les enfants. Surtout de faire ça aux grands. Donc, Anthony vient de quitter l'aventure. Et nous ne l'accueillons pas sur le plateau. Il est rentré chez lui. Et maintenant, voici les nominés. Donc, les nominés sont Nathan, parce que les filles ont voulu se venger de lui. Et Nicolas, donc voilà. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Nathan et le 2 pour Nicolas. Votez dans le i de la vidéo, lors du Prime Land entre qui.